POA Madagascar, engagement en faveur de la bancarisation. S'il y a 3 ans, la BOA Madagascar comptait 230 000 comptes, l'on dénombre aujourd'hui dans les 650 000 comptes, selon les précisions de Vloulman Tcharakoutndjalamb, directeur général adjoint de la Bank of Africa Madagascar. Pour la BOA Madagascar, la participation à la Foire internationale de Madagascar était à la fois une occasion de renforcer la promotion de ses produits pour toutes les catégories de sa clientèle, mais aussi une opportunité de montrer à cette dernière que la BOA Madagascar ne ménage pas ses efforts pour pérenniser ses engagements en faveur de la bancarisation et du financement de l'économie nationale. Une tombola a été organisée par la BOA Madagascar au cours de la 12e édition de la FIM. La cérémonie de remise des lots aux 4 regagnants s'est tenue hier à l'agence BOA à Courdig. Le premier lot est un écran TV, le second lot un four micro-ondes, le troisième lot un aspirateur et le quatrième lot un bon d'épargne Tahir. L'un des gagnants n'est pas encore client de la banque mais envisage d'y ouvrir un compte. Pour cette année, la Bank of Africa encadrera les PME et proposera des conditions particulières préférentielles à cette catégorie de clientèle selon les précisions de Vloulman Tcharakoutndjalamb.